ou on tue ton ami! Les écoute pas, Lara! Ok! Ok! Tu me fais pas peur! J'ai grandi à Glasgow, moi! Allez, liquidez-moi tout ça! Ils paieront pour ça. Le palais. Je dois rejoindre le palais. Coupez la corde! Je m'en occupe. Merde. Je te couvre, Lara. Tu peux grimper maintenant. Pour m'obliger à me rendre, mais il a préféré se sacrifier. Grim. Foutue tête de mule. Je suis désolée, Ross. Non, ce n'est pas de ta faute. On ne l'oubliera pas. On trinquera à sa mémoire dès qu'on sera rentré chez nous. Je vais essayer de me rapprocher. Tu crois que tu pourras me couvrir ? J'ai une vue dégagée sur tout le pont jusqu'au mur du palais. Ok. Ici hélicoptère de sauvetage November 888 Romeo Charlie, répondant au SOS émis par l'avion cargo Trinity. Ici Conrad Ross, de l'Endurance. Vous me recevez ? Lara, t'as entendu ça ? Un hélicoptère de sauvetage est en route. C'est génial, Ross. Envoie un signal. Je vais chercher Sam et les autres. Mais Lara, je devrais peut-être... Ce n'est pas comme pour le pilote, Ross. Sam et les autres sont là par ma faute. Je vais les chercher.
Attention, Lara. Ce pont grouille de gardes. Super. Une idée ? Oui, mais ça va pas être facile. Tu peux sûrement traverser par en dessous. C'est exactement ce que je craignais d'entendre. Ne t'en fais pas. Je te couvrirai. Compte sur moi. Je les ai dans mon viseur. On y va. Je compte sur toi, Russ. Qu'est-ce qui se passe, hein ? Tu crois qu'ils ont eu la fille ? T'en fais pas. Si c'est pas le cas, elle viendra à nous. Le père Mathias nous enverra chez Léonie si on la trouve pas. Seulement si on échoue. Ça n'arrivera pas. La reine solaire est avec nous. J'ai bien cru t'avoir perdu. Tu vas bien? C'est pas passé loin. Ils vont te voir. Vas-y, maintenant. Vous pourrez pas l'atteindre avec cette dingue. Stop. Attends. Je l'ai presque. Vas-y. Stop. Attends. Attends. Lara, la voie est libre. Merci de m'avoir couvert, Ross. Je crois qu'on est quitte. Lara, attention ! Je vais lui faire la peau ! Sors de là ! Non ! Ah ! Ils ont basculé ! Elle est morte ? Je sais pas, j'arrive pas à voir. Elle est là ! La voilà ! Lara, ils sont trop nombreux ! Ne reste pas là ! Ok, Ross. J'y vais. T'es sûr de vouloir faire ça? Je vais les chercher, Ross. Je vais revenir. C'est promis. Thank you.
Solari, les enfants de la Reine Solaire. Elle nous a amenés ici pour une raison. Je sais que vous aspirez à être libre. Je sais que vous voulez quitter cet endroit. Mais pour y parvenir, nous devons libérer notre reine. Comme nous, elle est prisonnière. C'est en la libérant que nous nous libérerons. Cette fille, le sang de cette île coule dans ses veines. Elle est peut-être la clé. Le rituel des flammes va nous montrer la vérité. Himiko, tu es le commencement et la fin. Fais entendre ta voix. Tu as tué notre frère. Maintenant, je vais te tuer. Ça, c'est pour Vladimir, sale chèvre. Assez. Dimitri, Nikolai, amenez-la moi. Toutes les créatures du monde font face et se battent dès que leur vie est en danger. Je ne désapprouve pas cette réaction, jeune fille. Je fais seulement ça depuis beaucoup plus longtemps que toi. Préparez-vous, mes frères! Notre reine va bientôt nous parler! Parle-nous, Himiko! Parle-nous à travers les flammes! Désolée, je suis désolée. Regarde-moi! Regarde-moi! Bientôt, mes frères, nous serons libres! Emmenez-la dans la salle du trône.